Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, était à Boisflay vendredi pour s'enquérir de l'évolution de la situation de crise d'eau que vivent les populations. Un camion-citerne transportant de l'hydrocarbure a déversé le 26 janvier dernier son contenu dans le fleuve Maraoué, non loin du centre de traitement de la Sodécie. Des échanges avec les autorités et les populations, une visite des installations, ont marqué cette visite. Nous avons pris des dispositions au niveau de la ville. Nous allons rendre disponibles 11 camions citernes. Nous allons mettre des cubiténaires dans les hôpitaux, dans les points très sensibles, pour qu'on les autonomise en matière de disponibilité en eau potable. Et nous pensons que tout cela, nous devons nous donner jusqu'à 10 jours pour pouvoir terminer les études et tout, et faire en sorte que rapidement nos usines repartent. Plusieurs structures techniques sont mobilisées pour trouver une solution au problème. Deux solutions différentes qu'on met en place. La première, c'est le SIAPOL, qui s'occupe de dépolluer l'endroit où on prend l'eau habituellement. Donc on espère que cette solution va marcher. Mais vu l'importance pour les populations d'avoir de l'eau, on a préparé un plan B qui est de déplacer donc l'équipement qu'on prend pour prendre de l'eau et construire une nouvelle canalisation qui va aller beaucoup plus en amont de l'endroit où on a eu le déversement. Les analyses sont en cours. Vous avez vu tout ce personnel qui est mobilisé. Une population qui n'a pas d'eau, c'est grave. Donc je crois que sur ce point-là, vraiment, il ne faut pas avoir la moindre hésitation. Nous sommes mobilisés pour régler le problème le plus vite. Le SIAPOL est mobilisé. Nous travaillons avec l'ONEP. Nous travaillons donc tous ensemble. Mais comme on l'a dit, c'est de la qualité de l'eau qui doit être bue par les populations. Par précaution, la station a été mise à l'arrêt afin que l'examen en laboratoire de la qualité de l'eau se fasse pour éviter tout risque de contamination des populations par une eau polluée.